Venez, vous allez boire après. Et ce week-end, on joue la finale du Super Challenge de France. Voilà, donc, qui est l'aboutissement de la saison. On a réussi à se qualifier. Et donc, on vient jouer le titre champion de France. Donc, on est à Brive pour la finale du Super Challenge. Voilà, des minima. Les 12 meilleures équipes s'affrontent aujourd'hui. Ça marche. Non. Un petit retour sur certains, il y en a qui ont la pression, il y en a qui la mettent à l'autre. Il va falloir calmer ça un peu. Il n'y en a pas autant que toi. J'ai jamais joué contre le bleu. Moi j'ai que les moulets. Ça c'est des moulets fer. Parce que là c'est pas coupé trop ras. C'est pas sec, hein. c'est humide dessous. Mettez les doigts, vous allez voir. On a le temps parce que c'est qu'une heure, on joue à deux heures. Il y a quelque chose qui va pas. Tu regardes, non, mais c'est un poil, s'il te plaît. Christophe, tu me donnes la liste, s'il te plaît. On ne ferme pas encore la bulle, mais on commence à créer notre bulle. Hein. La bulle individuelle dans laquelle on va mettre tous les copains après, hein, pour avancer. On va rien changer aux habitudes, les gars. C'est pas parce que c'est la finale qu'on va changer notre comportement à l'approche des matchs. À partir de maintenant, les gars, dans vos têtes, il se passe ce que vous voulez. Par contre, en dehors, il faut qu'on montre tous la même apparence. Sérénité, tranquille. Il y en a qui ont besoin de s'égarer un petit peu, il y en a qui ont besoin de se concentrer, il y en a qui ont besoin de se monter le bourrichon. Faites ce que vous voulez dans votre tête. Par contre, à partir de maintenant où on sort, on a le droit de communiquer, mais on ne gueule pas comme des putois, d'accord? On fait un effort en termes aussi d'organisation, d'écoute, hein, au niveau des consignes que va vous donner Jérémy pendant la prise en charge du prépa. Ne changez pas ce que vous avez l'habitude de faire. Ben nous, notre projet, c'est de les rendre le plus autonome possible, c'est-à-dire que ce soit dans la préparation des matchs, bien sûr, mais surtout sur le terrain, de les rendre autonomes, c'est-à-dire qu'ils soient maîtres de leur choix, maîtres de leurs décisions, maîtres de l'aspect tactique aussi, qu'il y ait une relation de confiance entre le capitaine et les leaders d'équipe, et que nous, on est plus d'influence sur eux, quoi. Voilà, juste recadrer un petit peu, faire la compo d'équipe parce que c'est notre responsabilité, faire les choix, faire un peu de coaching, mais après tout le reste, le but c'est qu'ils soient maîtres de tout, quoi. On a fait un gros travail sur l'autonomie, d'arriver à ce que le groupe se prenne en charge sur le terrain mais aussi en dehors. Alors après on a mis des moyens en place comme d'envoyer des textos, des coups de téléphone au coach pour l'état de santé, pour les absences pour diverses raisons. Ça c'était la première phase qu'on a mis pour l'autonomie. Ensuite, avec l'aide des dirigeants, nous avons mis des responsables de matériel toutes les semaines qui s'occupaient donc de la préparation et du rangement du matériel. Okay. C'est quatre qui parlent. Hein. Le capitaine et la charnière. Hein.
Théo ou Bess, les talons, vous êtes au milieu de la BD, à la touche. Vous pouvez prendre la parole sur les temps morts. Hein. Baptiste aussi. Hein. Les autres, les soldats. On baisse la tête et on avance. On passe sur les musculaires, les gars. Okay. Allez, en bas. Et Guillaume, comme cette semaine à l'entraînement, même sérieux. Hein. Pareil. Ne soyons pas timorés. Le pire, ce serait de jouer petit bras. Lâchez les ballons, lâchez-les. On verra après ce qui arrive. D'accord. Non, 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 bleu, toujours, on reste au bleu. On reste au bleu, 4 mètres. Allez, deux passages, deux. Allez, un peu de stress, là. Ah. Cervical, épaule autour de Théo. Buvez. Tu peux lever les bleus et les blancs. Allô. Rentrez des images positives de ce qu'on va faire. Déplacez le ballon avant nous. Hein. Le ballon doit aller plus vite que nous, les gars. Faut les déplacer. Détermination pour tous. Détermination pour tous, pour les 23 et les 26 pour qui sont venus aussi pour vous. Pour nous, pour le groupe, d'accord? Et après, n'oubliez pas de vous garder bien en tête le fait qu'on va jouer. On va essayer de prendre du plaisir. Lâchez-moi les ballons. Déplacez-moi les ces types. Hein? Enzo, Guillaume, il faut être dans les 5 mètres en permanence et appeler du monde. Ils ont des capacités, je crois en eux, ça j'en ai jamais douté. Donc qu'ils s'amusent, qu'ils fassent leur maximum, qu'ils ne baissent pas les bras et tout se passera bien. Et surtout pas de bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les a battus, ils vont pas nous battre, je vous le dis. Et si on y bat tous, qu'on a tous envie de gagner ce match, on ira le gagner. Tous ensemble. Tous. Prochain arrêt, changement. Le 7 vers le 20, 23. Hein? On attend l'arrêt de jeu. Hein? Bilal, voilà, un des deux devant. Qui? On est prêt? Oh Bilal! Allez, on respire, on est prêt, allez! On descend, allez! On touche presque les pieds, sans à-coups, et allez, on monte, allez!
Je l'aurais pas joué comme ça. Bien les poulets. Félicitations parce que c'est pas facile de rentrer à la compétition. En plus, on était à Brive, on joue Brive en premier match, on marque d'entrée le territoire, c'est très très bien. On a une seconde mi-temps très difficile au niveau de la conquête, au niveau du gain de ballon, mais on a tenu bon. Le plus important, c'est ça. Hein, surtout qu'il marque un essai, mais apparemment, bon, il a fallu quand même qu'il bataille un moment, donc on n'a rien lâché. On reste maître de notre destin. Ça pourrait être déjà mort. Ça ne l'est pas. Donc voilà, on est à la moitié du premier tournoi. D'accord ? Donc, c'est très bien. Comment, si je vous entends parler, là, l'arbitrage, machin, l'arbitrage, il n'y a rien à dire sur l'ensemble. Il n'y a rien à dire, si ce n'est que j'ai trouvé qu'ils ont fait jouer un peu long. Des petits problèmes de montre. Sinon, après, il n'y a absolument rien à dire. Dans l'ensemble, ça s'est équilibré. OK ? Pensez juste à ce qu'on a fait du bien. Et ce qu'on a fait de pas bien, on l'oublie, on le gomme. Et on ne fait que du bien sur le dernier match d'aujourd'hui. Bravo, les gars. Bravo à vous. Ce qu'il va falloir gommer, les gars, c'est le jeu debout. Hein. On résiste pas assez longtemps debout pour attendre le soutien. Derrière, on leur ouvre les extérieurs et on les chasse vers la touche. On ouvre l'extérieur, on chasse vers la touche. Bien, Mathéo, bien, appliquez, préparez vos bras. Il faut aller les chercher de suite, il faut aller les agresser de suite. Il ne faut pas qu'ils respirent. Ils ont passé une mi-temps, ils n'ont pas respiré contre les autres. Il faut que ce soit pareil contre nous. Il faut garder cet état d'esprit. Et je me lève, je plaque, je me relève, je vais replaquer. Si on a le ballon, je repars au soutien. Les gars, vous jouez, on a fait tourner tout le monde. Ce qui n'a aucun souci. Si vous êtes fatigué, vous sortez, vous rentrez. Hein ? Faut pas faire les caïdes. Hein ? Si je ne suis pas bien, je sors et je rentrerai. On vous jure qu'on vous fera rentrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, c'est la deuxième étape. Il y en avait deux aujourd'hui. Hein. C'est la deuxième, les gars. Si ça c'est gagné, on verra après. Mais elle est importante, elle est capitale. Hein. Pas de calcul, c'est la victoire. Ils menaient 19-0, ils se sont fait remonter 21-19. Je dis, mec, ils l'ont là. Ils vont se battre comme des chiens. Hein. Comme des chiens. Prenez-moi cette profondeur si vous voulez pouvoir avoir des ballons et si vous voulez qu'on puisse mettre en place notre jeu. Et sur les rucks, qu'on provoque nous, interdiction de perdre le ballon. Interdiction. Il faut faire un effort. On ne veut pas aller au sol. Faites-moi un mètre de moins, je m'en fous. Et après, jouez. Jouez. Ne jouons pas petit bras. Vous avez la lucidité, vous avez l'autonomie même dans le groupe à vous gérer par rapport à ces problèmes, ces temps faibles, ces temps forts. D'accord ? On se parle, jamais on s'engueule. Toujours copains. Toujours proches les uns des autres. Restez debout pour faciliter le soutien des copains. Plaquez pour aider l'équipe. Tout ça, les gars, quand vous avez un coup de mou, pensez à ceux qui sont pétés, pensez à ceux qui ne sont pas là, pensez à ceux qui ont pleuré pendant l'année. Il y en a qui ont pleuré parmi vous cette année. Hein ? Donc quand on a un coup de mou, les gars, il faut penser à ça, ça va nous rebooster. C'est ça le respect, respecter les copains qui chargent, ceux qui ne jouent pas. Leur amener la victoire. Aïe, ce coup de pied de merde à qui on est. C'est bien tenté quand même, Zo. Il y a vachement devant. Hein. Alors toi, tu bouteilles. Tu peux voir.
Non, c'est les arbitres qui le tiennent. Quelle escroquerie, quoi. Et c'est pour le Stade Toulousain. On s'en sort d'une belle, hein. On s'en sort de... Il y a eu un gros, gros match contre Grenoble à la fin, quoi. Et puis, vraiment, à la fin du match, c'était beau, quoi. Les Grenoblois, ils pleuraient, nous on allait les réconforter parce que c'est difficile quoi, ils ont fait une super belle saison et puis ils finissent poulet 3e donc ça doit être difficile vraiment. Et du coup on est allé voir, il y a eu la haie d'honneur. Sur des matchs difficiles, ils ont su bien défendre, résister, ils ont la tête. C'était tendu. Heureusement que Timothée marque parce que non, tu vois, pourtant je fais un dégagement magnifique. Et très beau jeu, petit coup de pied, c'est moi, tu vois. Ouais. On était en poule contre Grenoble et Brive, on a gagné les deux matchs et du coup on est qualifié pour jouer peut-être le titre champion de France. Ben, je les ai sentis un peu stressés avant le match, là, avant les deux matchs, et là je les sens mieux, plus décontractés. Le premier objectif est atteint, je pense que voilà, ils vont avoir tombé un peu de pression et tant mieux. Parce que comme ça, au moins, ils vont se détendre un petit peu ce soir et la pression va revenir dans le même demain, puisque bon, il reste trois matchs. Et on est dans le dernier carré et plus on gagnera de matchs, plus on grimpera, et en espérant finir dans le champion, sur la plus haute marche du podium. Peu de stress à la fin parce qu'on se met la pression, mais la victoire, elle est plus belle comme ça. À la fin, on est mort, c'est vraiment difficile. Mais on est heureux. Hey, coucou, coucou. C'est 23 copains, quoi. Donc c'est une grosse entraide. Pour le jouer, c'est important d'être soutenu, quoi. Ils sont pas tout seuls, ils vont y arriver. Vas-y, c'est à toi. Clap, bonjour. Enfin, on est vraiment un groupe de potes. On rigole, mais genre, quand on rigole, on est vraiment tous ensemble. On n'est pas des petits groupes comme dans notre équipe. L'une des premières valeurs du rugby, il faut être pote, parce que pour aller faire des tournois, des matchs, un petit peu rugueux et tout, si t'es pas pote, t'arriveras à rien. Si tu fais une petite batte de pote, tu peux un petit peu voyager. Et il faut surtout garder cet état d'esprit, de pouvoir continuer et d'aider son pote. Tout seul, on n'est rien. Donc à plusieurs, on peut faire quelque chose de sympa. Puis c'est un bon groupe, bien soudé. C'est des vrais copains, donc ça c'est capital pour le rugby. On a toujours essayé de faire un petit groupe de copains, c'est vraiment nous ce qu'on a essayé de faire sûr, que ce soit des bons petits potes, pour que derrière, après sportivement, ils arrivent à faire quelque chose de bien. On les voit se modifier, hein, physiquement, moralement. Je suis ad hoc pour eux, donc dès qu'ils ont un petit bobo, ils arrivent. Je supporte vraiment, j'ai plus de voix, j'ai beaucoup crié.
Je suis là pour aider aussi, pour installer les plots, pour apporter l'eau, tout ça. Et pour être avec mes potes pour le dernier tournoi de l'année. Pour moi, c'est avec Coralie de voir si tout le matériel est là, préparer tout le matériel, ranger pour l'entraînement. Et puis quand on est en tournoi ou en match, c'est prévoir les maillots, l'eau et que les enfants ne manquent de rien. Avec les enfants, c'est un groupe super, voilà, super agréable. Je fais un peu la maman de substitution de tous les enfants. Avec les dirigeants, pareil, on est un super groupe, on s'entend très bien, on est complémentaires, donc c'est génial. C'est un respect, un grand respect des enfants, un grand échange aussi que je ne pensais pas avoir avec des ados de 13-14 ans parce que voilà, c'est des fois l'âge un petit peu. Et en fait, ils sont super, ils sont très en demande, ils ont beaucoup de questions, ils ont besoin d'être rassurés. Et voilà, donc tout se passe bien. En bout, c'est 14h ou 14h30? 14h, je crois. 14h. C'est un petit peu le côté réconfort, rassurant. J'essaye de toujours positiver, de toujours les rassurer en dehors du sportif, puisque les coachs font le côté sportif, mais tout ce qui est extra-sportif, j'essaye que tout se passe bien et voilà, qu'ils soient en confiance, tranquilles, sans se poser de questions. Ah, ils sont cool, ils rigolent avec nous. Moi, un gamin qui me charrie, c'est un gamin qui t'aime bien. Voilà. Un gamin qui fait rien, c'est bon, il n'y a pas de relation. Un petit groupe qui te charrie un petit peu, ça veut dire que ça se passe bien et que c'est cool. C'est tranquille, il y a le respect du chauffeur déjà par rapport à la conduite. La bise sur tes fesses. Oh, pas bon, un boubou. Ils ont une discipline, ils ont un respect des autres équipes, des autres joueurs, des dirigeants, de l'organisation. Il n'était pas trois garçons. Il n'était pas trois garçons.
Attachant, très sympa, très respectueux, donc je m'entends très bien avec eux, pareil, on a une très bonne relation entre nous, ouais, c'est cool. Mais surtout qui se régalent en jouant, c'est, voilà, qui prennent plaisir à jouer. Et voilà. Évidemment, s'ils sont champions de France, ça sera la cerise sur le gâteau. Et voilà. Mais même s'ils ne le sont pas, ils auront fait une très très belle saison. Voilà. Et c'est un groupe très solidaire. Et en groupe, l'année prochaine, ils vont passer dans la catégorie supérieure, hein, pour beaucoup. Et je pense que s'ils gardent cet esprit de groupe, ils peuvent aller très loin. Moi, ils m'ont fait évoluer. On prenait une ampleur où je pensais pas arriver jusque-là. Mais ils m'ont donné confiance et je suis ce que je suis maintenant. La saison sera très bien réussie puisque aujourd'hui nous gagnons quand même 4 tournois sur 6, hein, dont 2 tournois du Super Challenge. Donc aujourd'hui, sur le plan comptable et surtout après sur la progression des joueurs, nous sommes très très satisfaits avec Olivier. Ce sera une très grosse saison. Ça fait déjà 2 ans qu'ils nous accompagnent. Et du coup, faudrait les remercier parce qu'ils prennent du temps pour venir à chaque entraînement, venir nous entraîner, venir nous soutenir. Autour du terrain, je les supportais comme je les supportais hier et les encourageais peut-être pour qu'ils gagnent le titre. Je suis là pour les supporter. Bon, ils sont un peu stressés, bon, ils vont réussir. De les préparer physiquement tout au long de l'année, développement des qualités physiques. On a fait un gros travail sur l'aérobie, vitesse et renforcement des abdos, épaules. Ils ont beaucoup donné pendant 2 ans, on a été très exigeant avec eux, notamment l'année dernière, parce qu'on a fait beaucoup de tournois avec les secondes années. Donc cette année, ils sont de seconde année eux-mêmes, donc ça va un peu mieux au niveau du rapport physique. Donc ils se sont bien rendu compte que ça a été compliqué. On est pas loin du nirvana, quoi, c'est-à-dire de gagner ce titre, ce qui serait une super récompense au bout de 2 ans. Après, ce que ça ferait pour eux, d'abord déjà beaucoup de satisfaction. Je pense que ça rehaussera l'estime qu'ils ont d'eux, qui est pas mal, mais qui sera encore plus valorisée, et beaucoup de confiance en eux, et je pense que ça serait positif, pas que dans le sport, quoi, dans leur vie de tous les jours. Et on voit déjà qu'il y en a beaucoup qui changent, quoi. On a eu des petits enfants il y a 2 ans, et là, voilà, je ne vais pas dire qu'on a des grands garçons, mais pas loin. Moi, je les sens bien. On a vu hier déjà comment ça s'est passé.
investissement, sérieux, physiquement très bien. Pour certains, voilà, c'était un peu chaud, mais sinon c'est pas mal. Non, c'est bien, je les sens bien. Peut-être un peu tendu là aujourd'hui, mais ça va le faire. Ça veut dire prochain arrêt de jeu là. Il y a plein de fois. Ouais. Noah, pleure pas. Oh Noah. Hé, Noah, c'est normal. Tu sauves l'essai, tu le jettes, hein. Il te met carton, c'est normal. Arrête de pleurer. Écoute-moi, on a besoin de toi pour les matchs suivants, d'accord? Alors tu t'assois, tu souffles, ok? Noah, oh. C'est très bien, si tu fais pas ça, il y a essai. Oh, arrête de pleurer. C'est pas grave. Tu as sauvé l'essai. Noah. Qui dit gagne, là? C'est pas grave. Tu sauves l'essai. Il y a un carton qui est ici. C'est pas grave. Derrière, il est derrière ça. On tenait 6-3 et là on se prend deux essais. Putain, fait chier de se lever un cul énorme et de prendre un essai sur une connerie. Hein. Oh! C'est bien mon poulet, c'est bien, t'as fait un très beau match. Bravo. Ce soir parce que t'es un peu cuit, il y a deux autres matchs hein, derrière. Tu m'as foutu des bons caramels, c'est bien. Faut qu'on se serve, les gars, de cette expérience pour la suite. Maintenant, il faut qu'on ait la capacité à oublier et à regarder vers devant. Ces matchs, on touche, mais les gars, vous touchez au niveau de votre génération. Hein. Le haut niveau de notre génération, c'est quoi? Il a dit Christophe. Hein. À 13-8, on revient, on a porté du fusil. On merde un coup d'envoi, on merde une touche, on merde un petit détail, il n'y a pas de pression. Même le coup d'envoi précédent qu'on prend. On n'a pas voulu le lâcher, je ne sais pas pourquoi. Tu rentres, Théo, on le ressort, mais on va batailler contre des gaillards, alors que dans le déplacement, notamment au niveau des avants, on est plus dynamique qu'eux. Il ne faut pas que la tension du match vous fasse perdre vos repères. Ça veut dire que le prochain match contre Toulon, les gars, il faut qu'on renforce encore plus de conviction de jeu. C'est-à-dire, ballon loin, on écarte, on essaye de pénétrer, on essaye de contourner. Il ne faut rien lâcher, les gars. C'est une poule de 4. C'est une poule de 4, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il n'y a rien qui est mort. Il reste 2 matchs. Ok? Noah, tu pleures pas. Tu nous as sauvé l'essai, tu as retardé l'échéance. On revient à 13-8 grâce à ton carton. C'est un carton intelligent, celui-là. C'est un carton intelligent. Je te félicite. Tu reviens me chercher ce type qui a des pattes, qui a 2000, tu prends le jaune, et ben oui, t'es en bout de course, t'en peux plus, tu le projettes, il n'y a pas intention de faire mal, c'est positif. Moi je te félicite de cette action-là, t'as rendu service à tout le monde. Allez, tu m'as fait plaisir, hein. Là tu m'as montré que t'avais envie aujourd'hui, hein. C'est bien. Il faut continuer, il en reste 2, ok? Bah, je les sens bien, ils sont impliqués, dans l'agressivité ils y sont. Après, c'est vrai que contre le Racing c'était un peu compliqué parce que sur les impacts ils étaient plus costauds. Mais sinon, on était vraiment dans le match. Oh, quel bien! Il y a la Fédé qui va vous. Oh, quel bien! Mais vas-y, ça lui fera plaisir, je passe. Ils sont très très solidaires sur le terrain, en dehors du terrain, donc c'est vraiment fabuleux ça, c'est un vrai sport d'équipe. Ah non, je me sens vraiment intégré dans l'équipe, il n'y a pas de différence. J'ai été sélectionné au Pôle Espoir, bon, c'est grâce à eux quand même, parce qu'ils m'ont quand même fait beaucoup évoluer.
tous ensemble quoi, qu'on gagne. Enfin, il n'y en a pas un qui fait tout. Je n'en ai pas encore, hein, mais je te prépare déjà le 20 contre le 9. Le 20 contre le 9. Ouais. Allez, avec elle, Louzeng. Louzeng. Merci de terminer cette matinée. Je vous rappelle que les matchs reprendront à partir de 14h30, aussi bien sur le terrain numéro 2. Pas qu'ils pensent que tout seuls ils vont sauver la patrie, c'est pas possible. Parce que le rugby, c'est, on est à 15 et justement c'est à nous de les coachs et un petit peu les dirigeants et ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on s'octroie de faire, de tout faire que tous les gamins se sentent bien ensemble et quand on voit quelque chose qui ne va pas, on essaye d'en parler soit tout seul avec les gamins. Et, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un peu de discussion et des réponses et voilà, on essaye de le gérer. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir comme au fond de nous, on a des glandes pour vous. Vous avez été énorme, énorme. Comme jamais vous le méritez. Comme jamais vous l'avez mérité cette victoire qui n'est pas venue. Alors on va essayer de tout sortir et on va se faire un plaisir contre La Rochelle. Et perd mon petit tout. Allez, Baptiste, vous avez été énorme. Qui gagne, hein. tout ce qu'il faut pour gagner, qui se donne à fond et qui n'ait pas de regrets, quoi, surtout. Faut pas qu'il regrette de ne pas s'être donné à fond, de se dire ah, j'aurais dû faire ça. Non, il faut y aller et après on verra. La glace dehors, le feu, la glace. Allez le chercher que pour vous, que pour vous. Pour le plaisir de continuer à décoller dans le bus au retour, pour le plaisir de se dire on a fait l'effort ensemble, collectivement on est arrivé. Que pour ça les gars, rien que pour ça. Donnez tout. Hein? Et encore, et malheureusement vous avez tout donné contre Toulon, il faut donner encore plus. Vous avez vu, on avait un peu les éléments contre nous. On n'a pas baissé la tête. Là je sens que vous êtes prêts parce que vous avez vraiment envie. Il faut qu'on continue les gars, il faut que vous continuez dans cet état d'esprit. Levez la tête, Tim, relevez la tête. Relevez la tête tous, on se regarde tous dans les yeux. On va le remplir le contrat. Ok Mathis? Hein? C'est super important pour vous les gars. Régalez-vous, prenez du plaisir. Et tentez-moi les coups. Surtout sur les coups d'envoi. Il faut qu'on déplace ce ballon. Ils sont comme les autres. Ils n'aiment pas quand ça se déplace. La Rochelle, c'est une des meilleures équipes vraiment de France. Il va vraiment falloir y être dans l'agressivité et scorer. Avec la musique. Les deux équipes s'approchent. Vas-y, Diego, 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 Diego. Allez Romain, allez Romain, allez!
Encore. Dépassé. Valédé, va, Sophie qui a Laisse Loïs. Perdez pas du temps là-dedans. Théo, va lancer, Théo. Allez, va lancer, Théo. Dans lui, vite. Ça joue, dans lui. Là-bas, pour nous. Il avait fait de la donner. Là, il avait fait. Il s'est fait tuer. Je pense que ça reflète pas du tout. Mais les gars, putain, qu'est-ce que je vous aime. On a fait un tournoi énorme. Et les gars, je vous promets que l'année prochaine, on va revenir et on ira tous se les taper. On a fait un groupe de petits garçons et de petites filles. Hein. Voilà. Et là, aujourd'hui, on voit partir 30 types et une jeune fille. Et merci pour ces 2 ans que j'ai passé avec vous, parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous êtes une bande de petits cons, parce que vous allez nous faire chialer tous. Mais putain, merci pour tout ce que vous avez apporté. Et surtout aussi, merci pour tout ce que vous apportez au club. Dans l'état d'esprit, dans l'envie, certains d'entre vous, on vous a un peu malmené. Il y en a qui chialaient quand ils ne venaient pas. Et là, aujourd'hui, on chiale parce qu'on a fait un bon tournoi, les gars. Vraiment. Je ne dis pas ça pour atténuer votre peine. Hein. Mais merci pour tout ce que vous avez donné. Du fond du cœur. Merci.